Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Westland 2. J'espère que vous aimez. Ça change un peu les jeux de. Je dirais les jeux de rôle, même si bon. C'est pas tout à fait ça, mais bon. Oh. Ag Center, this is Citadel Base. Can you repeat? Did you say the plants were attacking? Yes, goddammit, the plants! Something's gone wrong with them! Oh, ah, the door! They're breaking down the door! Fall back! Fall back! Okay. Ranger Team Echo, this is Ranger Command. Come in. Did you copy those distress calls from High Pool? Roger that. Listen, Echo One, I have no one else in the area and no further intel at this time. I'm afraid it's gonna have to be your decision which call to respond to first. Whichever one you choose, get there ASAP. Les both deux endroits situations are emergencies and both sounded like they were deteriorating rapidly. Copy? Les deux endroits où vous nous avez envoyés ont subi des urgences. Oui, subitement. Suspicious, isn't it, Echo One? Like someone's monitoring our transmissions and trying to stop our little radio experiment before it starts. Keep an eye out for suspect characters. Copy? 10-4 Echo One. God. Ok, donc en fait ça va être la même chose. Hein. Oh, j'avais prévu d'aller à Highpool parce que je pensais couper ici. Non, je vais quand même aller à Highpool. C'est parti, sauf que maintenant ça presse peut-être un peu plus. Je sais pas si le temps compte. De toute façon, on va y aller direct. Je pense qu'il faut tourner là. Ouais, ça va être ça. Par contre, j'aurais bien besoin d'eau, là. C'est où? Ah bah, d'accord, non. Je crois que je peux difficilement le louper. Ah, des fuyards. Ok, attaquer. C'est la même chose. Ouais, sauf que là, je les trouve assez près, quand même. Ah putain, j'ai pas eu le temps de les mettre à genoux. M'a loupé. Mais il a tiré deux fois ce con. Ouais, pourtant c'est une petite arme. Hein. Bon, ça commence mal. Oh, crit chanceuse. Ça a fait très très mal, mais ça l'a pas tué. Ouf, je lui ai arraché la tête. Âme sensible, s'abstenir. Ça, c'est clair. Lui, je vais le mettre en embuscade. Alors du coup, est-ce qu'elle voit quelque chose? Non. Hein. Je vais la mettre en embuscade, il lui faut 4 mouvements. La mettre là, c'est MJ ça, ouais. Alors lui qui est à moitié mort, ça m'embête un peu, je dois dire. Je vais le mettre en embuscade. Ok, les voilà. Alors, je l'ai pas tué, mais presque. Ah non. Donc, par contre, j'ai l'impression qu'ils ont pas de d'armes à feu. Ok, c'est qui ça? Impérateur, ok. Je vais d'abord taper sur celui-là. Yes. Ils sont pas prêts de bouger là, hein. Ils viennent de bouger, donc maintenant j'ai un peu le temps de faire toutes mes petites affaires. Je vais pas tirer au fusil de sniper. Pourquoi il peut pas bouger lui? Ah, c'est parce qu'il garde 7 points. D'accord. Donc je vais le mettre. Je vais le faire tirer quand même. J'ai peur de pas les achever en fait. On est rendu à qui là? Après c'est Angie. Oh si, ça devrait être bon. Lui on va lui faire passer. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah putain, elle a joué solo là. Ouh, mais heureusement qu'elle m'a fait une petite crit là. Elle va me permettre d'avoir les deux.
j'hallucine, c'est mon docteur qui m'a sauvé la mise. Tir allié. Ah, j'ai fait un tir allié. C'est pour ça qu'elle se retrouve aussi à quasiment zéro. Bon. Il est temps d'agir. Pardon. J'ai soigné celle-là pour 21 points. Là, je suis vraiment trop juste. Hein. Et je vais soigner celui-là pareil. Ok, ça le remet quand même bien. Bon. Lui, il a gagné un niveau. Je vais faire l'appel. Copy, Echo 1. This is Ranger Command. Go ahead. Over. Echo 1, your recent progress merits a field promotion for one. Congratulations, Echo 1. C'est le seul moyen d'avoir sa promotion. Alors, l'avantage, c'est que lui, il gagne 3 points à chaque fois. Donc celui-là, c'est celui qui parle beaucoup, et c'est peut-être aussi celui qui va marchander. Je trouve que le bonus est assez ridicule, en fait. 1% objet valeur augmentée, c'est assez faible. Compétence générale, compétence de connaissance. Bon, lui, il n'y a rien qui lui intéresse, qui l'intéresse en connaissance. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas activé. Gros dur. C'est quoi gros dur? Les compétences qu'il vous faut pour intimider et forcer les gens à faire ce que vous voulez. Ah, peut-être que ça pourrait être intéressant. Commandement. Un vrai commandement n'est pas inné, mais il devient avec cette compétence. Vous inspirez confiance et obéissance autour de vous. Ça me donne... Réduit les chances qu'un coéquipier désobéisse, augmente les chances de vos alliés proches de toucher l'adversaire de 2%. J'ai envie de prendre commandement. Honnêtement, celui-là, ce sera vraiment celui qui aura tout ce genre de bonus. Il a déjà... Il a beaucoup de charisme, hein, donc ça doit l'aider. Ce que j'aime bien, c'est les chances de toucher, honnêtement. Ouais, commandement. Ça me paraît intéressant. Je sais pas, j'espère que... Alors honnêtement, je fais ça complètement à l'aveugle. Hein. J'ai pas de plan. Donc en clair, j'espère que je ferai pas de trop grosses conneries. Ok, ils avaient pas grand chose. C'est parti. Et là, j'en ai deux autres... Non, j'ai les trois qui vont bientôt gagner un niveau. Parce que j'aimerais... C'est bon, ils sont tous armés. C'est parti. Là en plus, j'étais tout près d'arriver. Donc ce sera un high pool, a priori. Je vais regarder quand même. C'est ça, j'arrive à high pool. High pool. J'adore l'effet en flamme là, c'est très joli. C'est parti, je sais pas ce qui m'attend, a priori ils sont attaqués, donc je pense qu'on va avoir du pillard. Et de l'autre côté on aura des plantes, mais pour l'instant ce sera du pillard. Echo 1. Now listen, I want you to deal with the emergency situation first, before proceeding to the antenna. Repeat, help Mayor Vikström with his emergency, then hook up the repeater to the antenna on their crane. Protecting civilians is always a Ranger's number one priority. Do you copy? Roger, Echo 1. Advise when complete. Ok. Donc d'abord, on doit s'occuper d'aider les civils. Et ensuite, on s'occupera de mettre le répéteur sur la tour. Alors, là, comme ça, je vois pas grand-chose. Ah, de toute façon, on ne voit pas grand-chose, en fait. Je pense qu'il n'y a rien derrière nous.
Ok, c'est parti. Damp top, oh putain, j'ai peur. Reservoir, sound off. Give me the bad news. Damp top reporting. Got some jackass shooting mortars at us. Can't hit shit, but he's setting a lot of fires. Ouais, ça c'est bizarre. Clean up reporting. Some jokers are planting charges at the base of the wall. It looks like they're trying to take down the crate. Their leader, shit, she's got a jackhammer for an arm. A what? A jackhammer? Damn, freaks get crazier every year. Reservoir checking in. A lot of damage back here. Damn tank is leaking like a sieve. I don't know how long it'll hold. This is Kate down in the tunnels. The irrigation system is about to go. Too much pressure in the pipes. I'm trying to ease it off, but I need more hands. No can do, Kate. Can't spare the men. Là, je peux me protéger ici, je pense. These junkyard motherfuckers are about to come over the wall. Alors remarque, je sais pas où ils sont, mais je me dis qu'ils sont tout prêts. Je vais mettre mon sniper là déjà. Merde, j'ai bougé tout le monde, fais chier. Ah, ça c'est quoi? Cogneur de démolisseur. Ah bah ça c'est un méchant. Donc mon sniper il va se mettre au fond et tous les autres vont avancer. Et elle, de toute façon, je peux bien la mettre là, je sais bien que elle n'en fera qu'à sa tête. Ok. C'est un méchant, ça, hein. Ouais, on va se le faire. Ah bah là, d'ailleurs, il faut que je mette tout le monde... Ah merde, c'est mon soigneur que j'ai mis devant, là. C'est pas grave, elle va gérer. Accroupi et c'est parti. 81% de chance de toucher, c'est pas mal. Arme enrayée, non, il se fout de moi. Heureusement que le combat est pas commencé. Je lui ai fait que 9. Oh merde, ils sont combien? Ils sont 2, ils sont 3. Ok. Alors là, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de tirer sur celui-là, il lui reste 11 points de vie. C'est quoi les drapeaux bleus là? Ah, c'est parce que j'ai le bonus 2% de chance de toucher étant donné que je suis un commandant. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est parti. C'est tout? Oh putain. Je peux faire mieux que ça quoi. Ah, elle va l'achever. Enfin, j'espère. Yes, une crit. Mode embuscade. Ah bah lui, il a eu de la chance. Et il est, c'est parfait, il va pouvoir retirer. Ah, il a que 13 points de vie. Alors donc ça, c'était... Il allait au corps à corps avec une sorte de massue. À mon avis, c'était un gros balèze. C'est pour ça qu'il avait les 20 points de vie. Celui-là, il en a 15. Celui-là, il en a 13. Déjà beaucoup moins. Putain, par contre, j'ai loupé. Et là, je suis obligé de faire embuscade. Oula la merde, il y en a 5. Il y en a 4, pardon. Putain, il est trop loin, lui. Je suis obligé de bouger là, je pense. Et après, on fera peut-être un mouvement. Ouais. M'a loupé? Oui. Ok. 94% de chance de toucher. C'est quoi ça? Un réservoir de combustible volatile. Ok. Ça, c'est un démolisseur armé d'un fusil. Ce qui m'inquiète, c'est celui qui est là. Est-ce qu'il va pouvoir nous tirer dessus? J'ai pas de certitude en fait. J'ai bien envie de tirer là-dedans. Ça va le tuer, je pense. Ah, mais je peux peut-être pas par contre. Ah, si, je dois pouvoir.
Est-ce que ça le tuera? Je sais pas. Ah, je vais essayer. Tiens. Oh putain, ça l'a one shot. C'était plutôt pas mal. Alors lui, il est à portée. 33% de chance, lui aussi. Pff, 33, ça fait pas beaucoup. Hein. Je me recule. Enfin, le problème, c'est que c'est les snipers, quoi. Comment je fais, moi, contre les snipers? Alors elle va sûrement pas, va sûrement faire rien du tout. Lui, il a sûrement pas la distance. Il a loupé. Hein. Et lui, il s'est avancé un peu trop. Ah, j'ai perdu le contrôle. Ah, quelle conne, elle va courir comme une oie là. Je suis reporté, putain. Ah, il va être à portée. Oui, 33% de chance. Je crois qu'il faut que je tente parce que... Alors, c'est celui-là. Non, j'ai beaucoup de... Non, je vais pas tenter. Je vais me mettre en embuscade. Et je vais plutôt bouger ici. Ça fait pas beaucoup. Lui, il a sûrement pas la portée. Je vais le mettre ici. Ça, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Oh putain, c'est chaud. Oh, il y a une caisse qui a volé là. Ah, j'ai récupéré, on dirait, le contrôle de mon personnage. Ça, c'est plutôt cool. Je vais les mettre ici. Là, je devrais la prendre sur les flancs, non? Même pas. Ah, c'est pas grave, je vais tenter. Ouf, je lui ai fait mal. Je vais pas faire un tir de sniper pour 2 points de vie. Alors là, je suis hors portée, je vais m'approcher ici. Et j'espère bien l'achever. J'espère que c'est des bidonvilles, ça. Ouais, vide, pardon. Oh là, pardon. Ok, lui. Là, il est hors portée. J'ai nulle part où me mettre à l'abri. Mais j'aimerais bien le prendre de flanc. Loupé. Loupé. Ok, alors là, par contre, je vais pas faire de cadeau. Je vais l'achever à la clé à molette. Histoire d'économiser. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'économise des munitions. Ah, dommage, j'ai pas pris de niveau, ça y était presque, mais pas tout à fait. Il semble qu'elle ait été tuée à coups d'outils électriques. Ok, ça m'aide pas beaucoup. Alors, Camelot, kit de soins, donc ça je vais le mettre là, ferraille, 5,56, ah ça c'est pas mal, qui c'est qui utilise du 5,56, je crois que c'est elle. Botte de travail, ok là ça on s'en fout. Ouais, c'est elle qui utilise du 5,56, j'aurais préféré des munitions de sniper, mais bon. Donc je passe en contrôle sur tout le monde. Je recharge à court de munitions. Ah putain. Il lui en reste combien? Il lui en reste 3. Mon plus gros DPS qui a 3 munitions. Ça promet. Hein.
Alors, cherchons peut-être des coffres ou des trucs comme ça. Ok. Devant vous se tient tant bien que mal un réservoir de combustible volatile. Ok. Par contre, là, je vois qu'il y a un coffre. Un petit coffre repose sur le sol, fermé par un cadenas rouillé. Merde. Alors, je vais utiliser mon passe-partout. Ah bordel, j'ai oublié de différencier. Voilà. Je préfère faire s'éloigner tout le monde. Ceci, ça explose. 14%. Ah non, c'est mort. Je peux utiliser aussi force brute. 100%, oui, ce sera plus simple. Ok. Rubik's Cube, cellule énergétique, ça va pas me servir. Pour l'instant, c'est pour c'est des munitions. Oh, il y a quelqu'un là, je l'ai vu. Je t'ai vu. Ok, bon bah c'est parti. Je pense qu'il va falloir... Bah je vais quand même arrêter mon... l'épisode ici, malheureusement. Ah merde, j'ai oublié lui, là. Et on dirait qu'ils essayaient de défendre Hypool avec un lance-pierre. Ne jamais amener de lance-pierre à un combat d'outils. Lance-pierre, en effet. Ah, faut que j'arrête parce que si le combat se lance, je crois que je pourrais plus sauvegarder la partie. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.